Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Souvent. Vraiment, c'est grave ce qui se passe, c'est déjà très grave. Vraiment grave, 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 grave. Les gens n'ont plus de sentiments, quoi. Vraiment, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Écoutez bien, je vais vous expliquer. Hier, j'ai fait une vidéo où je vous disais que les gens annonçaient que la fille de Tibou Yeshua qui est ici, elle avait donné naissance à un bébé garçon. Et les gens disaient que l'enfant était né le même jour où son grand-père est mort, c'est-à-dire où Tibi Yeshua est né là, où Tibi Yeshua est mort. C'est le même jour là que l'enfant ici est venu au monde. Ah! Et quand les gens ont entendu ça, tout de suite ils ont dit que ouh, ça c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Sans doute, c'est Tibi Yeshua qui s'est réincarné. C'est là, nous avons parlé de la réincarnation hier. Dans cette vidéo, mais quand même, apparaître à la fin de cette vidéo, c'est le cas ici. Et puis, il dit, mais what? Qu'est-ce que c'est? C'est quelle histoire de réincarnation et ça? Et d'autres personnes se sont levées pour dire que non, elle n'a pas accouché, c'est faux, ce sont des histoires. Et que les gens sont en train de compliquer encore les problèmes qu'a déjà Tibi Yeshua. Parce que on ne sait pas s'il va au paradis ou à l'enfer. C'est-à-dire là, les gens vont s'intéresser à leurs problèmes. Ils cherchent à savoir si telle ou telle personne va au paradis ou pas. Et on a dit qu'en me baladant, en faisant des recherches, je suis tombé sur cette information encore qui dit que la fille de Tibi Yeshua a donné naissance. Effectivement, mais il y a un problème. On dit, mais quel est le problème? On dit que le problème là, c'est que le mari de la femme de Tibi Yeshua refuse que elle prenne le nom de Tibi Yeshua pour donner à l'enfant. Il dit, mais what? Est-ce que vous voyez un peu les choses du genre, vous voyez, vous mettez au monde un enfant. Maintenant, tellement vous aimez votre papa, vous dites que, ah, vraiment, j'aime beaucoup mon père, il faut que je prenne son nom pour donner à mon premier enfant, juste pour lui rendre hommage. Vous voyez, ce sont de telles choses. Mais apparemment, le mari aurait refusé. Les gens disent que le mari aurait refusé. Eh, Seigneur! Eh mon Dieu, les gens parlent haut, ils parlent. Ils parlent haut, ils parlent. Mais le mari là lui-même là, on ne le voit pas. Le mari là lui-même là, on ne l'a pas vu parler. Mais c'est toujours déjà, on dit que. Moi-même finalement, je me pose la question de savoir, mais est-ce que Tibi Yeshua est réellement mort? Est-ce qu'il est réellement mort? N'est-il pas peut-être caché quelque part là-bas et puis il essaie de parler de lui ici? Quand ça s'est passé dans le cas de Didier Arafat en Côte d'Ivoire, vraiment, nous-mêmes, à un moment donné, on ne pensait pas qu'il était mort, hein, au point où les gens sont allés fouiller dans son cercueil pour voir si c'était vraiment lui. Et ils vont fouiller dans le cercueil, ils regardent, ils disent non, c'est pas lui, c'est du caoutchouc. Pourquoi? Parce que les gens ont trop parlé, déjà à un moment donné, les gens étaient dans la confusion. Qui vous devez croire? Ah! Prenons au meilleur cas. Au meilleur cas, si la fille avait effectivement donné naissance. Ou non. Si elle avait effectivement donné naissance. Et puis, le mari, au pire des cas, refusait que l'enfant pose le nom de son père, où est le problème? Entre nous, où est le problème? Si le mari, hein, refuse que la femme, que l'enfant porte le nom de Tibi Yeshua, les gens veulent forcément que ce soit un rituel, disent que oh, il faut forcément que l'enfant la porte le nom de Tibi Yeshua, sinon c'est pas bon! Parce que pour nous, c'est la réincarnation de Tibi Yeshua! Jésus! C'est comme ça que vous faites pour adorer les êtres humains, non?
L'idolâtrie, ça c'est l'idolâtrie, ça c'est l'idolâtrie qui se cache derrière cela. Les gens qui veulent adorer l'homme au lieu d'adorer le Créateur. Vous adorez la créature en oubliant le Créateur. Ah, mes frères. Ah, vous aussi. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Si l'enfant avait des nettes, laissez-le tranquille. Mais vous voulez venir prendre vos problèmes pour agir au problème de l'enfant là déjà. Déjà même venir même de ce monde-là, même là, c'est déjà un problème. Ce monde où nous sommes, ce sont des problèmes. Moi, depuis que je suis ici, ce sont des histoires. Tu attends les guerres là-bas. Boubou, tu attends les choses ici. Il n'y a pas de paix ici dans ce monde. Tout comme venir un enfant au monde ici, c'est le préparer au combat. C'est pourquoi il faut réfléchir à deux fois avant de vraiment amener l'enfant dans ce monde. Parce que ce monde est très méchant. Ce monde est très mauvais. Ce monde est tellement mauvais même qu'ils n'ont même pas peur même des morts. Ils n'ont même pas pitié même pour ceux qui sont morts. Quand vous êtes à terre, ils vous marchent dessus encore. Quand vous êtes mort même, ils vous insultent. Les vertus, nos valeurs sont en train de disparaître. Non, ce n'est pas en train de disparaître. En fait, ça a déjà disparu. Ça a disparu il y a longtemps. Hey! Hey! J'ai vu une photo de la femme de Tibi Yoshua. J'ai vu une vidéo où il y avait un autre prophète, un pasteur, un prophète qui est allé lui rendre visite. Quand j'ai regardé ça, il me suis dit, vraiment, vraiment, nous travaillons dur, nous cherchons l'argent, mais vraiment, il y a mieux que ça. Il y a vraiment mieux que ça. C'est important d'être riche, mais vraiment, la richesse ne fait pas tout. Il faut avoir la puissance divine. Il faut avoir la puissance de Dieu. Il faut vraiment avoir des choses qui dépassent le côté matériel. Parce que le matériel est limité. L'argent ne fait pas tout. Le pouvoir de l'argent n'arrange pas le monde. Sinon, il n'y aurait pas de problème dans ce monde. Il y a des gens qui sont milliardaires. Il y a même beaucoup de milliardaires dans ce monde. Mais pourquoi le monde va mal? Pourquoi le monde va-t-il toujours mal? Nous devons vraiment, vraiment faire attention dans la vie. Nous devons vraiment faire très attention. Si Tibi Yoshua vous a aidé et que vous l'aimez bien, vraiment, priez, priez que Dieu ait pitié de lui et qu'il ait aussi pitié de vous parce que nous sommes tous de pauvres pécheurs. Que la main de Dieu soit sur nous et qu'il nous garde toujours. Déjà encore, on nous parle de l'enterrement de Tibi Yoshua. On nous dit il y a un chef du village vilain là-bas qui sort là-bas et dit, oh, Tibi Yoshua doit être enterré ici dans mon village parce que c'est d'ici qu'il vient. Il veut faire un corps palpable sur le corps d'une personne même qui ne les regardait même pas quand elle est en vie. Hey! C'est parce qu'il n'y a pas mouru avant très longtemps, c'est ça. Sinon, il y a même les vœux pour vous gifler one by one, bande de salauds. Ok. Je vous demande de vous plancher le dos, ça commence à m'énerver. Mais restez calme, restez calme.